Fan de la série Suits, vous n'avez pas fini d'être surpris. L'actrice américaine, Meghan Markle, devenue duchesse de Sussex et membre de la famille royale britannique à la suite de son mariage avec le prince Harry, duc de Sussex, a été révélée grâce à cette série, sortie en 2011. Suits a renoué avec le succès grâce au streaming et va avoir droit à quelque chose d'inédit, un spin-off, aussi appelé série dérivée, qui s'intitulera Suits, là, selon le média américain Variety. Le tournage de celui-ci est prévu à la fin du mois de mars à Vancouver. Dans ce spin-off, écrit et produit par le créateur de Suits, Aaron Korch, les fans pourront découvrir Ted Black, un ancien procureur fédéral de New York contraint de se réinventer à Los Angeles. Le casting origine avec Meghan Markle, Gabriel Mart, Patrick J. Adams ou encore Rick Hoffman n'est pas prévu pour apparaître dans ce spin-off. NBC, qui diffusera cette nouvelle série, n'a pas encore annoncé l'acteur qui incarnera Ted Black. Le mystère reste entier. Meghan Markle, ses plus beaux looks dans la série suite ce retour vers le succès. La série Suits a été diffusée entre 2011 et 2019 sur la chaîne américaine USA Network. Mais récemment elle a pu renouer avec le succès en arrivant sur Netflix. Pendant plusieurs mois, elle était même à la tête des contenus les plus visionnés. La série américaine raconte l'histoire d'un avocat très ambitieux d'une grosse firme de Manhattan. Harvey Specter, cet avocat brillant, a besoin de quelqu'un pour l'épauler. Il choisit Mike Cross, un jeune homme talentueux, mais sans diplôme. Le duo finit par bien fonctionner, mais Mike devra faire preuve d'intelligence pour que personne ne découvre qu'il n'a jamais passé l'examen du barreau. Cette série a été scrutée de très près par le public et les médias en raison de la présence de Meghan Markle, épouse du prince Harry, qui incarnait Rachel Zane, dans 108 épisodes. Le producteur de la série avait même révélé que des représentants de la famille royale s'étaient rendus sur le tournage pour éviter que Meghan ne prononce certains mots. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Backgrid UK. I just need